s'exprimant au nom de la population locale de Madingou. Les autorités ont dit non à la cession de leurs terres à Paul Kagame. Les responsables de Madingou ont jugé inopportun la vente de leurs terres à un homme qui sème le chaos au Congo voisin. Une fermeté qui a laissé sans voix Thierry Mongala ainsi que Koliné Makoso. Koliné Makoso est bien embêté par la politique aventuriste du fils du dictateur Denis Sassou Nguesso, qui est allé concéder, qui est allé signer des accords avec Paul Kagame du Rwanda, connaissant ses visées expansionnistes et criminelles lorsque l'on observe la déstabilisation de la République démocratique du Congo, notamment dans sa partie est. Les propos des autorités de Madingou sont clairs, mais fermes. Le peuple congolais n'est pas du tout xénophobe. Le peuple congolais est attentif au rôle que joue le Rwanda au Congo voisin. Le peuple congolais est soucieux de l'avenir des générations futures et d'un risque d'embrasement qui pourrait opposer le Rwanda au Congo voisin. Le Congo n'est pas à vendre. La voix du peuple est celle de Dieu. Gare à vous, les traîtres. Ben Bajena le Congo, Ben Kekufwa. Ben Kekufwa na Buzoba, Ben Kekufwa aussi na naïveté. Les bagues sont là, Ben Vwanga, Bazol Ben V. Les gens font des élections. Ce sont les mêmes. Que l'ouata ba t-shirt ba 2000, ba full, ba ngoulou. Côté ni côté, ba gens sont ben lout kwa kwe, ba ba ke kwen. Ben lout kwa kwe, ba ke kwen. Bet ke lansek ba zapen, la kouzon la benke, ben vwana ba inzo a ben no. Tande. Si ame kouboa, après, ba bat nyoso, il faut ba zonzaka tout cela. Menan me zimbana. Bantia, iba bantia sasu, ba zol benve.